back to that same old place. Sweet home, Chicago. Hey, 101 is 2, 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you make me late, hide a hay. Baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home, Chicago. Salut à tous, c'est Eric le coach Chicago Music. Et oui, aujourd'hui j'ai ressorti mon vieux chapeau, j'ai mis des lunettes de soleil pour vous expliquer comment jouer, bien évidemment, le morceau Sweet Home Chicago. Donc ce titre a été initialement composé par Robert Johnson, mais j'ai préféré m'inspirer de la version des Blues Brothers pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Alors vous connaissez, j'imagine, enfin tous les gars je l'espère, le film Blues Brothers. Si c'est pas le cas, évidemment, vous foncez le voir. C'est totalement mythique, ça a été réalisé en 1980 par John Landis. Donc bref, c'est The Must. Donc, normalement, cette chanson est composée dans la tonalité de Mi, mais j'ai préféré vous l'expliquer en Do pour deux raisons. La première, c'est que peut-être l'algorithme YouTube ne va pas me scanner, je ne serai pas démonétisé. Et la seconde raison, c'est que la tonalité de Do correspond aux explications que je donne dans mon nouveau double pack payant qui s'appelle Apprendre à jouer du boogie woogie. Le boogie, c'est du blues rapide, hein. Je pense avoir fait vraiment du bon boulot là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir les petites bandes annonces là-haut en cliquant sur ce qui apparaît. Je vous ai mis autrement le lien dans la boîte de description. Parce que oui, ce qu'on va voir dans ce tuto va correspondre à ce qu'on trouve dans la formation boogie et inversement. Bref, on va déjà avoir beaucoup de boulot pour apprendre à jouer Sweet Home Chicago, donc je vous propose qu'on s'y mette genre tout de suite. Alors on repère tout de suite où se trouve le Do du milieu. C'est là où j'ai fait une tache rose toute moche, là ici. Okay. Pour faire l'intro, la main droite va commencer assez haut, puisqu'on va jouer un Sol, mais pas celui-ci, celui qui a juste une quinte au-dessus, mais encore une octave au-dessus. D'accord. On va avoir déjà les deux premières mesures qui donnent ça. Et... ça, c'est le premier temps de la troisième mesure, le Do. Ok. Je vous le montre déjà sans ce qu'on appelle l'appoggiature. L'appoggiature, c'est ce petit truc-là. Je vous le fais déjà sans. Donc, mesure 1, vous allez vous placer le 2 sur un Sol et le 4 sur un Si bémol. Et on va faire deux triolets d'affilée en faisant ces notes-là. Sol, Si bémol, Sol et Re-Sol, Si bémol, Sol, suivi de Fa-La, pouce 3. Voilà. Avec le nom des rythmes. Triolet, triolet, blanche. Ou bien 1, 2, 3, 4. Ok. Si on rajoute l'appoggiature, au lieu d'attaquer tout de suite le Sol comme ça, bah vous allez riper sur le demi-ton qui est juste avant le Fa dièse. Donc genre, vous visez le Sol, mais votre doigt est un peu trop à gauche, du coup, accident. Mais tout de suite corrigé par le fait que ça ne dure pas. Donc les appoggiatures brèves, ça se note comme ça sur une partition avec une petite croche barrée, vous ne les comptez pas. Vous savez juste que c'est comme une fausse note, entre guillemets. Je refais. Triolet, triolet, blanc. Dans la démo au début, la blanche, là, au lieu d'attaquer Fa La, j'ai également fait une appoggiature entre le La et le La bémol. Entre, disons, la tierce majeure et la tierce mineure. Ça, j'en parle pas mal, notamment dans le volume 2 du pack Boogie Woogie. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure entre Fa dièse et Sol, sauf qu'il y a deux notes. Donc, j'attaque Fa La bémol, mais très rapidement, le majeur corrige le tir. C'est pas obligé, hein, mais j'aime bien, ça fait joli. 3, 4, triolet, triolet, blanche. Cool. Mesure 2, c'est quasiment pareil. On refait pas, on refait la même chose au début. Triolet, triolet. Mais ce coup-ci, noir, noir, A. Donc au lieu de rester deux temps sur le Fa La, j'ai juste fait une noire. Après, je soulève et je vais jouer Mi bémol Sol avec 2 et 4. Et le premier temps de la mesure d'après, c'est le Do au pouce. Je vous fais ces deux premières mesures. Triolet, triolet, blanche. Deuxième mesure. Triolet, triolet, noir, noir, noir. Ok. Je reprends sur ce premier temps de la troisième mesure. Dès que j'ai joué ce pouce, je vais déplacer toute ma main pour aller jouer les notes suivantes. Sol, Mi, après descente chromatique, c'est-à-dire demi-ton par demi-ton. Sol, bémol, Mi, bémol, après Fa, Ré et Mi, Do. Pour l'instant, vous le bossez en position comme ça. Avec le même doigté. Une fois que vous les avez, vous allez les jouer comme ça, avec un rythme de triolet. Pouce, petit doigt. Pouce, j'ai terminé le job sur le Sol Mi. Après, même chose sur Sol bémol, Mi bémol. Pouce, petit doigt. Pouce, après, pareil sur Fa Ré. Et sur le Mi Do, par contre, lui, on plaquera les deux notes d'un coup. Donc, triolet, triolet, triolet. Niveau des doigtés, pouce 5, pouce. Après, je ne replace pas le pouce, je pourrais. Mais disons, ce qui est plus commode, c'est de placer le 2
par-dessus. Si, si, là, c'est plus comme être. 2, 5, 2 pouces, 5 pouces. Et puis là, bon, on pourrait faire mi-2, mi-do avec 2 et petits doigts, mais également pouce, petit doigt. Là, pour ce coup-ci, c'est comme vous voulez. Donc, la troisième mesure, noir, triolet, triolet, triolet. Ok, dès que vous avez tapé ce mi-do, vous allez faire fa avec le 2, fa dièse avec le 3, et puis si fa sol, si fa bécart sol, c'est un accord de sol septième, cinquième degré. Du coup, quatrième mesure, mi-do, fa, fa dièse, si fa sol. Ok, je vous fais mesure 3 et 4, noir, triolet, 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 2, croche, 2, croche. Voilà, là on est sur des croches à la quatrième mesure. Je vous refais toute cette intro, 3, 4. Triolet, triolet, blanche. Triolet, triolet, noir, noir, noir. Triolet, 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 deux, croche, trois. Et sur le quatrième temps, on va glissouiller un gros slide de la mort. Ça, on se le voit juste après. Quand on fait la mesure 4, la main gauche, elle entre enfin en action. Quand la main droite, elle a fait son mi-do, il ne se passe rien à gauche. En revanche, quand elle fait le fa, fa dièse, si, fa, sol, la main gauche jouera à l'unisson fa. Donc là, je suis deux octaves en dessous de ce que joue la main droite. Fa, donc aux deux mains pareil, fa dièse, et le pouce de main gauche jouera le sol quand la main droite jouera le si, fa, sol, pour que ça puisse faire 1. Stylé. Et dès que c'est fait, moi j'ai rajouté un petit bidule, le petit doigt, je ne sais pas si on le voit, ah si on le voit encore à l'écran, va jouer un sol en réponse, une octave en dessous, donc vraiment à la cave là pour le coup. Et dès que ce petit doigt aura été joué, c'est le signal pour que la main droite sur le quatrième temps fasse un grand slide de la mort. Que cette mesure 4, en le comptant, pour que vous ayez bien justement le découpage, 1 et 2 et 3 et 4. Alors comment je fais mon slide ? L'effet de la mort, le glissando, on appelle ça. Vous allez placer deux doigts, ou trois, voilà, comme vous voulez. Vous allez les mettre plus ou moins à plat, d'accord? Et vous allez tirer de où vous voulez. Là, je pars pas trop haut, parce que sinon, on voit plus la main. Mais voilà. Et vous tirez un max. Et vous sortez du clavier, comme vous en êtes rentré. L'air de rien, comme ça, genre... Imaginez qu'il y a plein de poussière, en fait, sur le piano. Oh, c'est dégueu! Oh. Et tu le nettoies jamais, ton clavier? Voilà, c'est ça, l'effet de glissando. Alors voilà, je vous le replace, je vous fais toute l'intro, c'est plus simple. Pas vite, hein? 3, 4. Triolet, triolet, blanche. Triolet, triolet, noir, noir. Je compte 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Alors maintenant, voyons ce qui se passe à la main gauche, parce que c'est ça notre véritable allié, si vous voulez, notre moteur, comme en boogie. Hein, d'ailleurs, de toute façon, boogie, c'est un des enfants du blues. Hein, voilà. Alors c'est un motif possible, j'aurais pu en prendre d'autres, mais voici celui que je vous ai choisi. Il ressemble un petit peu à ce qu'on ferait à la guitare. Ça donnerait ça. 1, 2, et 3, et 4, et c'est un débit de croche. Okay. Je mets mon petit doigt sur un do, donc deux octaves en dessous du do du milieu. Petit doigt sur le do, index sur le sol. Je tape deux fois ça en croche. 1, et ensuite, au lieu de rejouer Do sol, je vais jouer Do là, avec le pouce. 1 et 2, et fin du motif, je rejoue la même chose une deuxième fois, et j'ai fait une mesure complète. Donc une mesure complète, ça donnera ça. 1 et 2, et 3, et 4, et... Voilà, ça vous fait tourner en boucle au début. 1 et 2, et 3, et 4. Donc là, je suis sur des croches dites shuffle, c'est-à-dire qu'elles se dandinent un petit peu, vous voyez. La première est deux fois plus longue que la suivante, c'est-à-dire... 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Comme elles se découpent très bien en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on les appelle des croches ternaires. Si je ne faisais pas des croches ternaires, mais des croches binaires, au lieu d'avoir 1 et 2 et 3, ça donnerait 1 et 2 et 3. Nous, ce n'est pas du rock hein, qu'on veut, c'est du blues. Tintin. Marche nickel, chrome. Il y a trois positions à savoir. Ça, c'est la position de Do, parce que le petit doigt est sur Do. Une mesure, c'est donc 1, et 2, et 3, et 4. Et la deuxième position, c'est la position de Fa, dit quatrième degré. On va déplacer toute notre position en Fa Do, d'accord? Et on fait pareil. 1, et 2, et 3, et 4. Et c'est notre deuxième accord.
Deuxième placement. Et le troisième placement, décale-toi une touche à droite pour faire sol ré. C'est notre position de sol, notre position dite de cinquième degré, voilà, si on se réfère à l'harmonie. Et on fait pareil. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et ça, vous le bossez pour l'instant en boucle, hein. Une mesure de chaque. Pour l'instant en faisant do, fa, sol, et après dans l'ordre que vous voulez. 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, puis après vraiment, vous faites comme vous avez envie. Restez bien juste une mesure à chaque fois. Reniez pas le gabarit. Dès que vous le pouvez, essayez de travailler cette main gauche sans la regarder, d'accord? Même si je sais que c'est embêtant, on veut que la main gauche puisse être autonome. Parce que sinon, avec la main droite par-dessus, ça risque de partir en cacahuète. Alors normalement, la main gauche suit un schéma précis qu'on appelle la grille de 12 mesures. On va la voir ensemble au fur et à mesure. Alors avant de voir ce que va balancer la main droite, voyons ce qui se passe à la main gauche sur les quatre premières mesures de notre grille, donc notre premier tiers de grille. Il nous faudra une mesure de Do, une mesure de Fa et deux mesures de Do d'affilée. Donc, ça donnera ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et je reviens Do. 2 et 3 et 4 et je reste en Do. 2 et 3 et 4 et... Cool. On va voir ce qui se passe à la main droite pour habiller tout ça. Quand on est sur le premier degré, l'accord, la position de Do, la main droite va jouer les notes suivantes. Mi, Sol, La, Do. Voilà, c'est exprès le même positionnement que vous retrouverez dans le pack Boogie Woogie, machin, machin. Mi, Sol, La, Do. Et quand la main gauche, donc on peut les plaquer ensemble, on voit ce que ça donne. Ouais, ça sonne bien, c'est cool. Sur le quatrième degré, quand la main gauche se déplace sur Fa, la main droite fera les mêmes notes, mais le pouce jouera un Mi bémol au lieu du Mi bécart. Donc au début, vous bossez juste ça. Je plaque les deux mains. Ok. Ok. Cool. Et ensuite, j'essaye de plaquer mon premier temps de main droite. Je laisse enfoncer. Et la main gauche fait tout son schéma. Genre 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Là, déjà, comme ça pourrait marcher, vous voyez. Come on, baby, don't you wanna go? C'est pas très dynamique, effectivement. Alors, voyons comment placer la main droite pour que ça puisse vraiment être très énergique, très rythmé. Alors, dans la mesure 1, le placement va donner ça. 1, 2 et 3, et 4 et 1, et 2 et 3, et 4 et 1, et 2 et 3, et 4. Ce qui fait que si je rajoute la main gauche, si je la compte pareil, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, c'est sur ce 2 et qu'on va balancer la main droite. Donc genre, je fais tourner en boucle la même mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On a dit que dans notre grille, la deuxième mesure, pour la main gauche, on se dirigeait vers le Fa et qu'à la main droite, on jouait Mi bémol sol la 2. Là, le placement rythmique de la main droite, je l'ai fait partir sur le « et » du 1 et le troisième temps. Donc genre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Stylé, mains ensemble. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et ça, vous le bossez en boucle. 1 et 2. Donc, une fois que vous le maîtrisez, vous êtes content. Dans les mesures 3 et 4, la main gauche reste sur ses mesures de premier degré, très bien. Et à la main droite, là, on a The Plan de la Mort, qui est vraiment représentatif du morceau. C'est les cuivres qui balancent ça en guise de réponse au chant. Au piano, ça pourrait jouer comme ça, du coup. 1. Oh, quand même! Alors, j'attaque Do au pouce. Je suis une octave au-dessous du Do du milieu. Après Sol, Si bémol. Alors, soit 3-5, soit 2-4, comme vous voulez. Ça peut être pas mal avec 2-4. Ensuite, on va faire Fa, La. Après, on va viser Mi, Sol. Mais on va lui ajouter, comme dans l'intro, une petite appoggiature qui va tourner autour de la tierce mineure, tierce majeure. Donc, en gros, je vise Mi, Sol, mais j'accroche
sur le mi bémol juste avant. Du coup, 1 et 2 et 3 et presque fini. 1 et 2 et 3 et ensuite je repasse sur Fa la 4 et. Donc là j'ai fait la moitié du job sur cette intervention, je vous la refais. 1 et 2 et 3 et 4 et. La seconde mesure, je retape Sol si bémol, après Re do, après Fa la et puis je refais mon histoire de mi sol avec l'appoggiatura. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et cool. 1. Vous voyez, j'essaye pas de faire lier en quelque sorte. 1. Hein. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit super énergique. Donc, c'est pour ça que c'est important de compter tout de suite votre main gauche, j'aurais voulu le dire plus haut. Comptez là dès le départ en faisant 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais à haute voix, hein. Parce que comme ça, quand vous aurez besoin de faire des mises en place, ça, soit ça partira sur un chiffre, sur un temps, soit sur un et, le contretemps. Là, en l'occurrence, on part la main droite sur le et du 1. Donc genre 1 et 2, ok. 1 et 2 et 3 et 4 et... Déjà ça. 1 et 2 et 3 et 4 et. Je refais. 1 et 2 et 3 et 4 et. Dès que ça c'est bon, deuxième partie, je retape mon sol si bémol. 1 et 2 et 1, 3 et 4 et. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Fait les quatre premières mesures et là on a fait le plus difficile. 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, cinquième et sixième mesure, la main gauche fera deux mesures d'affilée en quatrième degré, donc en Fa. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et bien. Et à la main droite, je me suis dit que ce serait de bon ton de faire le jouer le bon accord, c'est-à-dire mi, sol, la, do, et de rejouer le même placement rythmique que ce qu'on avait dans les mesures 1 et 2, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... C'était les mesures 5 et 6. Les mesures 7 et 8, vous allez être contents. Contente, je repars deux mesures en premier degré, comme ça, et par-dessus, je rebalance pour notre plus grand bonheur. Du coup, je vous fais les mesures 5, 6, 7, 8. Donc 5, 6, je suis en Fa, mesure 7, 8, je balance le plan. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, je vous refais ces 8 premières mesures et on voit la fin. 3, come on. 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et... Pour terminer notre grille, sur les mesures 9 et 10, on va faire mesure 9, en l'occurrence une mesure en sol, 5e degré. 1 et 2 et 3 et 4 et la mesure suivante, la mesure 10, je descends sur un Fa, une mesure complète. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok ? Mesure 9, c'est une mesure en sol. Mesure 10, une mesure en Fa, 5e degré, 4e degré. À la main droite, on ne l'avait pas encore vu, quand on est sur le positionnement de sol, on va jouer les notes Fa, La, Si, Ré. Parce que ça sonnera très bien, si je dis un accord de Sol, 7, 9, peu importe. Là, le placement rythmique, je l'ai un tout petit peu changé, parce que je trouve que ça collait bien avec les paroles. C'est de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3. Je pars sur le et du 1 et le et du 2, les deux contretemps d'affilée. Avec la main gauche, 1 et 2 et 3 et 4, encore 1 et 2 et 3 et 4. Okay. La mesure suivante, je suis en Fa, donc
À la main droite, j'aurais pu refaire mi bémol sol à do, ça aurait très bien marché, mais j'ai préféré mettre le mi bémol à l'octave du dessus. Je l'ai renversé. Tac, pour qu'il ressemble à ça. Je trouvais que ça collait mieux avec la voix, en fait. Et là, je pars sur le 1 et 2 et 3, comme quand on chante Sweet Home. Ça marchait bien, quoi. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Cool, mesure 9 et 10. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Cool. Alors, je vous refais ces 10 premières mesures et on verra tout de suite après le turnaround. Et avec ça, on aura quasiment tout fait. Yes. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1 et voilà le turnaround. Mesure 11, je repars sur une mesure complète de premier degré, donc en do. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. C'est le premier temps de la 12e mesure. Dès que j'ai joué ce do sol, premier temps de la 12e mesure, je rejoue comme dans l'intro, fa, fa dièse, sol, sol en réponse super grave. Donc, mesure 11 et 12 pour la main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Yes. À la main droite, sur la mesure 11, je vais laisser le premier temps pour rien, c'est-à-dire 1 et il ne se passe rien. En revanche, sur le 2, le 3 et le 4e temps, je vais jouer mi sol do sur le 2e temps, c'est une noire. Ensuite, mi bémol sol bémol do, toujours même doigté pouce de 5. Après, ré fa do sur le 4e temps. Voilà, donc genre 1 et 2 et 3 et 4 et. Et dès que je vais jouer ça, je vais viser mi-do, d'accord. Je peux jouer que mi-do ou bien toujours le petit accident, tierce mineure, tierce majeure, suivi de fa, fa dièse. En fait, comme dans l'intro, on pourrait rejouer si fa sol. Moi, ce que je fais, c'est si ré dièse sol pour varier un peu, c'est pas obligé. Donc, genre, 12e mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et super, mesure 11 et 12. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et 4. Donc là, on aura le droit sur le quatrième temps, comme tout à l'heure, de refaire un slide et de redémarrer sur le premier temps. Ou pas, rien n'est jamais forcé dans ce genre de style. Donc dès que vous avez joué ça, c'est que vous êtes bon pour rejouer tout cette partie une deuxième fois. Quand vous l'avez joué une deuxième fois, on va attaquer la partie qui contient des breaks. Les breaks, c'est quand ça s'arrête. Le passage va donner ça. 1 et 2 et 3 et 3 et 2 et 3 et 3. Alors, je suis sur sol, si bémol, do. Là, c'est le do du milieu, d'accord? Avec pouce 2, 3. À la main gauche, j'attaque do, sol. Ou do, sol, do, d'ailleurs, serait bien pareil. Je pique de ces deux mains en même temps. 1 et 2 et 3. Et ensuite, à l'unisson aux deux mains, je vais jouer sol, enfin à l'octave plutôt, sol, si bémol, si bémol, do. Sol, si, si, bémol, car, do. Et je retaperai tout de suite après l'accord que j'ai joué au début. D'accord? Et je ne vais pas refaire. Ça, je le fais que deux fois. Parce qu'après, il faut relancer le bidule. Alors, et deux, et trois, et triolet. Deuxième fois, deux, et trois, et triolet. Et deux, et trois. Et 4, et là j'ai choisi de vous faire un truc comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà, parce que j'aime bien relancer avec un truc, mais je voulais pas faire trop compliqué. À la main gauche, ça va faire Do, Do, Ré, Ré, Ré dièse, Mi, Mi. D'accord? C'est comme si j'étais revenu à la quatrième mesure de ma grille. Si vous vous souvenez, à la cinquième mesure au début, dans la partie A, on attaquait à la cinquième mesure le quatrième degré, mesure de Fa. Et là, c'est fastoche, vous allez refaire la même chose. Je vous refais donc ces quatre premières mesures de cette séquence de break. 1 et 2 et 3 et triolet. 1 et 2 et 3
et triolet 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3. Et là je retrouve exactement pareil. Oui, pendant que la main gauche a fait son do, do ré tout en croche comme ça, j'ai choisi de faire la main droite en octave. Une octave au-dessus du do du milieu et avec celle encore du dessus. C'est pareil. Et 2, et 3, et 4, le plan 1. En sol. Et 2, et 3, et 4, et 1. Et 2, et 3, et 4, et le turnaround. Et après, on rejouerait du début. Voilà. Ou alors, on lancerait une impro, mais on n'aura pas le temps de le faire sur cette vidéo. Une impro, faire une impro dans ce genre-là. C'est encore un autre sujet. Bah, tout ça, justement, j'en parle. Hein, dans le... Désolé d'en revenir encore là-dessus, mais vraiment bien bosser sur ce pack-là, ça devrait vous plaire. Boogie Woogie, volume 1 et 2. Je vous refais tout une fois pas vite, et puis c'est bon. 3, intro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas le du début, hein. On fait directement le break. 101 is 2, 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you make me late, I'm out of here. Baby, don't you want me go? Back to that summer place. Faire une petite fin stylée au lieu de relancer ça. Ça c'est mort, hein. Ça veut dire qu'on reprend au début. Vous remplacez cette mesure là par genre ré bémol, la bémol, main gauche, pardon, et vous le tirez sur do sol. À ce moment là, à la main droite, vous allez faire fa, la bémol, ré bémol. Ok. Et quand la main gauche descend sur do sol, la main droite pourra faire mi la ré. C'est assez stylé. C'est les deux endroits sur ces deux accords-là que vous pouvez utiliser la pédale pour que le son y dure bien. Petit trémolo. Je garde bien les deux doigts enfoncés là-haut et je fais ça. Tic, 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 tic. Salut tout le monde! Salut! Voilà. Et le glissando, c'est pareil. Hein. Si ça marche en descendant, ça marchera également dans l'autre sens. Vous virez la poussière de votre clavier. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Oh, ça fait bizarre de retrouver la lumière. Si c'est le cas, vous laissez votre petit pouce bleu, surtout un commentaire pour me donner votre appréciation. N'hésitez pas à partager la vidéo, enfin, toujours les mêmes histoires. Hein. Et puis en attendant, surtout, amusez-vous bien avec ce style. Le blues, c'est la vie, le boogie aussi. Et donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.